Vol Téléguinée, Kadil Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4 heures, le matin à 8 heures, à midi, midi tapant, à souhait, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix montée, Kadil Jean-Lier. Voici parvenu à une nouvelle étape de la mise en œuvre du calendrier électoral qui consiste à mettre en place le bureau du contentieux électoral départemental. À cette première phase, le BCED sera appelé à connaître au premier niveau des dossiers de contestation de candidature pour le tiers du Sénat. Aujourd'hui, le CEP peut s'enorgueillir des résultats prometteurs de la première expérience vécue en matière de contentieux électoral. En effet, l'éthique et la rigueur qui ont caractérisé le fonctionnement du BCEN, le Bureau de contentieux électoral national, installé par l'actuel Conseil pour le traitement des contentieux qui ont émané des dernières élections municipales. Nous encourage fortement à poursuivre dans la voie tracée. La décision du Conseil d'élaborer et d'adopter un code de déontologie électorale ainsi qu'un prescrit de règlement de contentieux électoral vous permet de disposer de deux outils précieux pour l'accomplissement de votre mission. Ces deux documents constituent désormais un cadre référentiel au respect duquel est strictement astreint, sous peine de sanctions sévères, en cas de violation, tout le personnel électoral, y compris les conseillers électoraux et les autres juges appelé à siéger au tribunal électoral. Mesdames, Messieurs, vous avez gardé certainement en mémoire les dérives et les souillures qui ont entaché et déshonoré les instances contentieuses électorales dans un passé plutôt récent. Aussi, voudrais-je croire en votre volonté de vous démarquer de ces pratiques indignes et infâmes. En compagnie d'une brochette de professionnels qui se passent de présentation, vous allez avoir durant ces trois journées sur lesquels s'étend ce séminaire, l'opportunité d'approfondir et d'échanger sur des thématiques qui contribueront sans nul doute à de nouveaux éclairages pour la pertinence de vos décisions. Je demeure convaincu que cet effort de réflexion et de mise en commun servira à bon escient la cause
d'une justice électorale saine et équitable. Vous discutez de ça, de nécessité pour nous agencer, gens que nous travaillons ensemble pour que sous question financière là, qui dépend du gouvernement. Parce qu'en ce qui nous concerne, la question du financement des élections relève de l'État haïtien, du gouvernement. Et que ce n'est pas un bagage qui est capable de souffrir d'aucune hésitation. Donc à ce moment, à l'État de prendre les dispositions qui s'imposent. Donc si il y a des bagages qui ont besoin de clarifier, certainement, nous parions pour nous garder avec le gouvernement. Mais l'exécution du budget se fera, disons, sur la base, pour l'instant, de ce qui a été présenté au gouvernement. Le critère de sélection, hein, c'est garder est-ce que gagner au moins des indices qui rapportaient autour des articles, des dispositions des articles 95 et 239.1 du décret électoral, qui parlait de fausses déclarations et qui parlait de fraude avérée et que yon élu t'a utilisé pour les capables vine dans fonction législative ou bien fonction présidentielle côté le taille. Donc décret a permet que conseil électoral là il fait la saisine du BCEN pour le capable invalider pouvoir yon élu qui t'a trouvé dans situation comme ça. Comme information que nous arrivé joindre yo dans 13 cas ça yo pas déjà imposé yo de par yo même, ça mandé yon approfondissement. Donc approfondissement c'est seulement yon enquête administrative qu'après le baroul. Donc cela dit, à l'issue enquête administrative ça, eh bien, CEPA, conseil d'administration, pral gagner des attitudes comme classées, sans suite, si pas gagner en rien que yon joigne. Si indicio, yon pas transformé en des preuves. Et si que yon ta transformé en preuve, à ce moment-là, conseil a la gagner pour li mettre en branle procédure et faire baisser un constitué. Et pour le capable siéger dans attribution que aurait les invalidation de pouvoir. Référence nous c'était rapport Siev là. C'est lui-même qui référence nous. Et ces recommandations lieu que nous examiner. Mais à la seule différence nous c'est une structure qui là pour nous garder comment on a fait élection mais garder exactement qui ça qui était passé dans machine avant que nous-mêmes nous dérivés. Donc à partir de ce moment, tout cas qui vient devant nous, nous pas obligé prendre yo de façon tant que son l'évangile, nous examiner yo et le ça nous décider à partir de ça qui joint nous et de compréhension nous de ça qui joint nous, de ça que nous joignons. Donc de ce fait, moi pas prêté sur un cas en particulier dans 42A, gain 15 que nous retenu, gain 2 décision prend sous lit déjà parce que nous pas besoin plus bagaille qui pour aller devant BCEN de reproduction et il y a 13 autres qui fait objet de une enquête administrative.